Je suis assistante maternelle depuis 2010, donc ça va faire 15 ans maintenant, et j'ai un agrément pour 4 enfants de 0 à 3 ans. Le rôle d'une assistante maternelle, c'est d'accompagner les enfants de tout petit jusqu'à l'entrée à l'école, de les faire évoluer, on les accompagne dans l'apprentissage de la propreté, dans l'apprentissage du langage, les couleurs, les chiffres, etc. Leur apporter la sécurité, qu'ils soient en confiance, même quand on est en sortie, etc., apprivoiser le monde extérieur. Personnellement, c'est un bonheur d'évoluer avec les enfants. C'est des rayons de soleil quand ils arrivent le matin. Puis on les voit grandir, on les accompagne. J'estime avoir beaucoup de chance de travailler dans un métier déjà que j'aime, parce que c'est vraiment une vocation, assistante maternelle. Alors, je suis assistante maternelle depuis bientôt 18 ans. Alors, le rôle d'une assistante maternelle est d'accompagner l'enfant dans son développement, que ce soit moteur, affectif, de l'aider dans les apprentissages afin qu'il évolue en fait dans un cadre familial. En fait, moi j'ai toujours voulu être au contact, faire un métier avec les enfants. Je peux travailler, faire un métier que j'aime bien avec les enfants, mais être aussi chez moi et être dépendante en fait. C'est moi qui gère mon quotidien. Alors, faut être honnête, c'est pas un métier facile hein, quand même, parce que certains disent oui, mais vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous êtes bien. Oui, mais bien sûr. Mais il faut se dire qu'on peut commencer très tôt, finir tard. Je suis assistante maternelle depuis 7 ans. J'accueille 2 enfants. J'aime bien accueillir les enfants. Jouer, rigoler, faire des câlins s'ils ont besoin, assurer les parents, les enfants, faire plein de choses avec les enfants. Il faut avoir la patience, la bienveillance, être à l'écoute aussi bien des enfants mais des parents pour avoir le même objectif d'éducation. C'est d'être à l'écoute, d'être patiente. D'être dynamique aussi, d'avoir aussi de l'affection en fait. On doit être sur tous les fronts en fait, plus ou moins. Que ce soit sur la sécurité, sur l'accueil, sur plein de choses. On a dû faire une formation à Rennes-Couris et j'ai appris le métier par une amie à Scalia Saint-Martinelle. Et après, par la suite, j'ai fait les papiers, les démarches. Ensuite, on a la puéricultrice qui vient à la maison, voir si le logement est adapté aux enfants, si tout est sécurisé. Et ensuite, on a une formation avant de commencer le métier. Et dans les 1 an ou 2 ans après, on a une deuxième partie de formation pour valider vraiment notre agrément. On fait tous les 2 ans les premiers secours. J'ai également fait une formation sur le handicap. Bientôt, je vais faire une formation sur les troubles du langage, les troubles de l'alimentation, etc. On se forme tout au long de notre carrière, en fait. J'ai déjà fait aussi le bébé signe et aussi, après, j'ai passé également la VAE pour avoir le diplôme de la petite enfance. Si on a besoin de renseignements sur les formations ou avec des contrats, on peut appeler le RPE et ils peuvent nous renseigner, nous aider ou chercher les informations pour nous les communiquer. Donc c'est bien. Ce que je trouve aux ateliers Relais Petite Enfance, c'est déjà un accueil avec d'autres enfants, d'autres assistantes maternelles. Ça permet de aussi casser un peu cette routine à la maison, de voir d'autres personnes et que les enfants partagent aussi d'autres moments et de faire des activités qui peuvent être des fois différentes de la maison. Et aussi, il y a des ateliers délocalisés comme la motricité, éveil musical. Donc ça peut être sympa aussi, ça permet aux enfants de voir d'autres choses. C'est bien pour les enfants, ils jouent avec ils découvrent des autres enfants. Nous, on voit des autres nounous, on se voit, on fait des activités, on fait des jeux. Les enfants sont très contents de revoir les copains et copines. Il y a moins de monde à la maison, en fait, chez nous, c'est plus familial. Et d'un point de vue communication, c'est plus facile aussi de communiquer.
Et c'est quelque chose quand même d'assez libre, point de vue horaire. On est assez flexible sur les horaires. Moi, je commence des fois à 7 heures. Enfin, je peux terminer un peu plus tard. On est quand même exigeant, mais on est assez souple sur le point de vue horaire, en fait. Ce que les parents vont trouver chez une assistante maternelle, c'est l'accueil en petit comité, parce qu'en général, on n'a pas plus de 4 enfants. Donc on a le temps pour, avec les tout-petits, de faire des câlins, de les sécuriser. Dans ma maison, j'ai ma fille, j'ai un émo, j'ai mon mari. Et à chaque fois, les enfants sont contents voir mon mari, tout ça. Ma fille, le lapin aussi. Donc ils sont heureux à chaque fois, mais les parents sont contents qu'elles sont là. Oui, on s'attache beaucoup aux enfants. Il n'y a pas longtemps, il y a un enfant qui est parti et le passement, il est là. Mais on a encore des nouvelles avec les parents.